Souvenir du village, c'est notre livre du jour, écrit par Zamenga Batuke Zanga. Qui est Zamenga? Zamenga Batuke Zanga, Zabat pour d'aucuns, est né à Nkolo dans le Bas-Congo en 1933. C'est un écrivain du XXe siècle qui nous a quittés d'ailleurs en juin 2000. Zamenga est l'auteur de plusieurs œuvres, dont Les Hauts et les Bas, Bandoki, Carte postale, Terre des ancêtres, Village qui disparaît, Sept frères et une sœur, 1000 km à pied, Un croco à Louosi, Chéri Basso et j'en passe. Que dire de ce livre, Souvenir du village? Dans tous les cas, Souvenir du village n'est nullement une invitation à fuir, à se dérober d'un présent problématique pour un prétendu passé mythique merveilleux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas cela. Sinon, Zamenga aurait pu se contenter de dénoncer les méfaits du système et des structures actuelles de l'éducation en Afrique. Sinon, il aurait pu tout autant imaginer en poète un monde harmonieux qui serait demain le nôtre. Sinon encore, il aurait pu, à partir de sa propre et riche expérience d'éducateur des personnes handicapées, explorer un monde d'éducation panacée pour tous les handicapés mentaux que nous sommes. Eh bien, c'est tout sauf cela. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. En réalité, il n'a pas cherché loin. Car tout a existé, tout existe encore chez nous. Certains diraient que cette attitude relève du mépris ou de l'ignorance. Pourtant, il y a dans les écrits de Zamenga une générosité du propos. Au point que ce livre, Souvenir du village, est, à n'en point douter, révélateur de la personnalité déroutante mais combien attachante de Zamenga qui s'est débordée de tous les genres littéraires. On y découvre donc un homme orchestre, romancier, poète, conteur, philosophe, moraliste, et j'en passe. De cette manière atypique, Zamenga nous fait vibrer et perpétue l'Afrique millénaire qui, comme l'hydre de Lerne, a résisté et résistera à toutes les entreprises spoliatrices de l'histoire, à toutes les tentatives de dépersonnalisation et de déshumanisation. Je voudrais vous gratifier d'un extrait. Tout est question d'habitude et de technique. Les pieds doivent bien s'appuyer sur le tronc avant de donner un coup sec selon que l'on monte ou que l'on descend. Badio n'en avait pas l'habitude. Son père lui montra un palmier facile à grimper et l'enfant réussit plusieurs fois à l'escalader. Lorsque son père lui proposa un palmier plus difficile, il tomba sur le sol. Mais son père avait prévu la chute et Badio s'en sortit avec seulement quelques douleurs aux reins. « Fini, dit Badio, fini, je ne grimperai plus sur un palmier durant toute ma vie. » « Si, mon fils, tu es au contraire bien parti. Beaucoup de garçons de ton âge et même plus âgés que toi ne savent pas encore grimper. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu dois renoncer. L'homme doit profiter même de ses échecs pour gagner en sagesse et en connaissance. Mieux vaut réussir à moitié et persévérer que de réussir parfaitement. » En un coup. L'oiseau risque de dépasser son propre nid en volant trop vite. Le premier qui traverse la rivière en connaît mieux les endroits glissants. Courage, mon fils. Reprends la liane et vas-y, vas-y jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là. J'espère vous avoir donné l'envie de lire et de découvrir de vous-même la trame de ce livre, Souvenir du village. Lisez. Lisez, lisez encore, lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.